L'espace Gabriel Gare de Lyopougon, lieu de vente de viande de porc, a été démoli le mardi 19 avril 2022, dans le cadre de l'élargissement de l'axe Sable, Ciporex, Carrefour Centre Hospitalier Universitaire, CHU, GESCO. Selon une note d'information de la mairie Lyopougon publiée sur sa page Facebook le mardi 19 avril 2022, Gabriel Gare, le lieu culte de vente de viande de porc, de poissons fumés et d'attiéqués de Lyopougon a été délocalisé sur un nouveau site. Démolition de toutes les installations. Toutes les installations des commerçants de l'espace Gabriel Gare ont été détruites pour poursuivre les travaux d'élargissement de ce tronçon qui sera aménagé en 2x2 voies sur une distance de 6 km. Les commerçants qui y exerçaient ont été délocalisés au nouveau marché de vente situé à Seille de Sillim, précisément à proximité de l'école primaire publique Sikoji 11. Gabriel Gare, lieu culte de vente de viande de porc, appartient au passé et est remplacé pour un tout nouveau marché, situé à Seille de Sillim, près école Sikoji 11. Ce nouveau marché reçoit plusieurs vendeuses qui opéraient sur l'axe Carrefour Sable Ciporex Carrefour Zone Route de Dabou, qui est en chantier, peut-on lire sur la note. Il était devenu nécessaire de délocaliser les vendeuses. Dans le cadre des travaux d'élargissement de ce tronçon qui sera aménagé en 2x2 voies sur un 6 km, les premiers travaux, déplacement des réseaux, dégagement des emprises, terrassements généraux, assainissement, drainage et signalisation ont déjà commencé et il était devenu nécessaire de délocaliser les vendeuses sur le nouveau site SI à Seille de Sillim, indique la mairie de Lyopougon à travers la note. Selon la mairie, le nouveau marché de vente de poissons frais, poissons fumés, viande de porc offre un cadre moderne, assaini et sécurisé aussi bien pour les acteurs de ce commerce que les clients. Lire aussi travaux d'élargissement de l'axe Abidjan-Dabou, la grogne des automobilistes, les raisons. Rappelons que les travaux d'élargissement et de renforcement de plusieurs tronçons de la plus grande commune ivoirienne Lyopougon, dont Sable Ciporex et GESCO Dabou ont été lancés en août 2021. Vidéo.